Donc, bonjour les enfants, bonjour les professeurs, etc., etc., les adultes. Voilà, donc on va présenter un rendu de travail qu'on a fait avec les enfants, les professeurs. Donc, il va y avoir une première partie avec différentes classes de collège et de 6e, et il y a aussi des CM2. Donc on a abordé différentes facettes du travail que nous-mêmes on aborde dans notre création. C'est-à-dire on a fait des interviews avec les enfants, ils ont fait une chanson sur le thème de l'espoir et ils ont abordé quelques notions acrobatiques et de jeux. Fort de l'action de la saison 1 l'an dernier, nous avons renouvelé donc cette interface entre équipe artistique et collège, enfants de collège, puisque c'est une des compétences du Conseil général. Il était important pour nous de continuer à perdurer cette action qui l'année dernière avait donné de très très bons résultats. Nous avions donc à trouver les équipes artistiques qui étaient elles-mêmes en création, qui permettent aux enfants de comprendre ce que ça veut dire que de construire un spectacle. L'enfant a un rapport à l'adulte par l'intermédiaire de ses enseignants. Là, c'est par l'intermédiaire d'artistes, donc de gens qui ne sont pas du tout dans une transmission d'une connaissance, mais dans un savoir-être, une position dans la société. Donc c'est une interface très, très puissante qui va toucher au cœur de la construction de l'enfant. Au début, on a fait 3 groupes. Un groupe qui devait faire des imitations en espoir. Et un groupe qui devait chanter aussi, faire des chansons, des rythmes et tout ça. On a chanté et on a fait des groupes, enfin on a fait une sorte de théâtre. Venir partager notre étape de création avec les élèves, donc en fait intervenir auprès des élèves du collège et de primaire avec un travail en amont avec les professeurs sur le thème de l'espoir qui est le thème de notre spectacle. C'est l'idée de, de ces naufragés, un peu comme, enfin voilà, même dans le monde actuel, on est en proie à plein de crises diverses. Nous, on arrive avec une structure dans l'espace public, un peu pour dire, bon bah, on est là, on est comme vous, on est sur un radeau qui va couler et qui va amener tous les naufragés à chercher un exutoire, des solutions, des possibilités vers le haut.